et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. Vous avez ici le 9 de coupe, la grande prêtresse, le 9 de feu, c'est-à-dire 9 de bâton, et 6 de feu, c'est-à-dire 6 de bâton. Un seul arcane majeur, la grande prêtresse. Au dos de deck, vous avez la reine de feu, c'est-à-dire la reine de bâton. Beaucoup de passion, là. Beaucoup, beaucoup de passion qui, en fait, vous permet de sortir de votre coquille, qui vous permet de sortir de vous-même. Parce que la grande prêtresse, ici, elle vibre « je sors de moi-même ». Je sors d'une situation, en fait, qui, je pense, vous a conduit à vous replier sur vous-même. Il y a un repli ici qui vibre énormément. Et là, il y a cette idée « je m'ouvre ». Et notamment, le 9 de feu, là, raconte que cette ouverture signifie lâcher prise par rapport à une situation, ne plus se méfier, faire confiance, parce que la victoire est à portée de main. La victoire, elle est presque là, elle arrive. Et ça, 9 de coupe nous le confirme, nous dit, vous allez avoir un moment de joie, de bonheur, de célébration, de la réalisation d'un vœu. C'est pour ça qu'il y a cette notion de « je m'ouvre, j'accepte, je suis enfin arrivé ». J'ai cette idée « je suis enfin arrivé, j'arrive enfin par rapport à une situation ». Mais tout ça parce que je n'ai pas perdu foi. Foi en quoi? En moi. Parce que la reine de feu ici nous parle d'avoir foi en soi. Donc si vous êtes encore dans l'énergie ou vous demandez est-ce que c'est possible, pas possible, etc., ne perdez pas votre foi en vous, en votre capacité, en votre possibilité d'amener en fait la réalisation dans une situation. On va commencer par la grande prêtresse. Vous avez le 7 d'épée. Il y a cette idée de dévoilement, il y a cette idée de découverte, il y a cette idée de lâcher prise. Il y a beaucoup d'informations qui se bousculent même. Il y a cette idée d'avalanche de bonnes nouvelles. Avalanche de bonnes nouvelles. Et ça, je pense, va vous rassurer. Et vous avez le soleil, exactement, vous voyez, c'est un dévoilement qui est très heureux, 9 de coupe nous le dit, c'est un dévoilement qui est magnifique, un dévoilement qui vous permet de célébrer, de profiter d'un moment, je pense, qui n'était pas si simple que ça, parce qu'on sent un repli sur soi, on sent quelqu'un qui est rentré dans sa coquille, là justement on sort de sa coquille, parce que c'est possible de le faire, 10 de terre dans la matière, il y a un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise. Et tout ça, ça vous redonne de l'équilibre, tout ça, ça vous redonne de la force, tout ça, ça vous permet d'avoir un moment de bonheur et de célébration avec les vôtres, avec les gens qui ont beaucoup d'importance pour votre cœur et votre âme. 5 d'épée, l'apaisement au plan mental, l'apaisement dans la communication, et j'ai encore cette idée, avalanche de bonnes nouvelles. Ben écoutez, si c'est aussi bien que ça, on ne va pas insister davantage. Vous avez le roi de terre. Il y a vraiment quelque chose qui se dévoile. On sort de ce monde invisible pour aller dans le monde visible. On sort de cette intuition pour aller matérialiser quelque chose, pour rendre quelque chose vrai, pour ancrer quelque chose. Quand je dis vrai, c'est le ancrer ici et maintenant dans cette vie, dans la 3D, et ancrer les deux nouvelles fondations, parce qu'à mon avis, ce n'est que poser des fondations là. Vous allez poser de nouvelles fondations pour une situation qui, je pense, va s'épanouir et grandir encore plus. C'est pour ça que vous avez ce 6 de bâton qui nous parle d'une victoire qui est à portée de main. C'est presque là. Roi d'épée. En fait, c'est votre mental qui va vous permettre de vous détacher, de faire confiance. Parce que je crois que vous allez vous rendre compte, il y a vraiment cette avalanche de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles arrivent vers vous. Et toutes ces bonnes nouvelles, en fait, vous permettent de vous détendre, de vous relâcher, de lâcher prise, de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans la maîtrise, le contrôle. On se laisse aller. 6 de feu, avec le 6 de feu, vous avez les amoureux. Une victoire, en fait, qui va vous conduire à de nouvelles décisions, à de nouvelles prises de décisions, à des choix, je pense, que vous n'entrevoyez pas aujourd'hui. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait victorieux, parce que vous voyez ici, vous avez le 9 de coupe. Donc, il vous manque encore une petite coupe pour que les choses soient pleinement et complètement et entièrement réalisées. Donc il y a quelque chose qui va émerger, et cette émergence, pour l'instant, pour vous, c'est ce qu'il y a de plus important, mais à partir de cette émergence, ce que vous allez faire, c'est vraiment créer quelque chose de nouveau, donc l'émergence des racines, d'enracinement d'une situation, mais au-delà des racines, vous allez avoir ce 7
de coupe. Donc, il y a cette idée de avalanche, non seulement de nouvelles, mais aussi d'opportunités. Il y a cette idée, tout se enclenche, tout s'accélère pour vous. Il y a une accélération, en fait, que vous acceptez sans difficulté, parce que je ne vous sens pas ici stressé par rapport à ça. Bien au contraire, vous appréciez toutes ces nouveautés. 9 de terre. Vous voyez, c'est pas encore. Il y a encore quelque chose qui n'est pas finalisé. C'est pour ça que dans le 6 de feu, on a cette idée, on est presque au bout. C'est presque la victoire. 9 de terre, 10 de terre, vous voyez, il vous manque un petit as de denier. Et à partir de cette opportunité, mais je pense que ça va commencer par des nouvelles, et donc votre ouverture qui elle-même va attirer inexorablement, ça va attirer de nouvelles opportunités. Reine d'air, vous voyez, là pareil, on est dans la reine d'épée, on n'est pas dans le roi d'épée, il était ici. Donc, il y a encore ce côté, j'ai quelque chose à comprendre, j'ai quelque chose à exprimer, j'ai quelque chose à matérialiser, notamment par la pensée et les mots. Et à partir de là, je pense que vous allez lâcher prise, et en lâchant prise, il y a quelque chose d'autre qui se déclenche et qui va vous attirer beaucoup d'opportunités. 10 de terre, vous avez le 13, la mort. C'est-à-dire une libération. Dans la matière, il y a une libération qui sera palpable, visible, accessible, maintenant, ici et maintenant. Et cette libération, en fait, proviendra de la disparition, de la dissolution d'énergie toxique et négative. Avec justement le numéro 13, vous avez le numéro 11. Cette libération, cette mort, en fait, cette dissolution d'énergie négative, ça vous donne la force et la puissance et la victoire de ce 6 de feu. Et cette victoire, en fait, ce sera pour vous prendre des décisions qui s'imposent, mais ce n'est pas que ça s'impose à vous, ce n'est pas à contre-cœur du tout, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer et que vous devez mettre en mouvement et en place. Vous avez 2 de feu, ben, vous voyez, c'est force de faire des choix. J'ai la force de faire des choix, j'ai la force de prendre mes décisions en toute connaissance de cause, et surtout je ne compte sur personne pour le faire. As d'épée, vous voyez, on est encore dans cette idée de décision, d'une pensée tranchante où il n'y a pas de doute, on ne revient pas sur ce qui a été dit, sur ce qui a été pensé, ce qui a été exprimé. Les choses sont limpides, mais tout ça va provenir en fait d'une avalanche de nouvelles, de bonnes nouvelles, on me répète au cas où j'aurais oublié de le dire. 6 de terre, ça va être très clair pour vous, vous êtes très en équilibre émotionnellement, matériellement, pour trancher dans le vif. Là, je pense que vous allez élaguer, vous allez vraiment trancher pour prendre vos décisions. 7 d'eau, avec les amoureux, il y a cette idée, il y a beaucoup d'opportunités. À partir de ces choix que vous allez faire, en fait, vous allez vous ouvrir plein de portes. Vous allez vous ouvrir ligne du temps, c'est-à-dire de choix nouveaux qui vous mèneront vers une autre destinée. Et là, vous avez l'étoile. L'étoile qui parle de cette concordance, de cette consonance entre vous et les énergies de l'univers. Entre vous et l'énergie qui vous entoure et qui est là, comme si vous aviez des synchronicités qui vous mènent, qui vous guident vers ces opportunités. Mais je pense que quand vous allez vous purifier ici, vous allez purifier quelque chose, ça va ouvrir des portes de nouvelles opportunités qui vont être nombreuses aussi. Justement avec le 7 d'air, vous avez le page d'eau. Page d'eau qui nous dit que c'est une bonne nouvelle qui tout simplement vous ravit. Une nouvelle qui vous permet en fait d'ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. 3 d'épée, et surtout de quitter une douleur, une souffrance, de l'inconnu. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vibre de « je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne saisis pas ». Donc il y a cette idée d'incertitude et d'inconnu. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous, ce sera votre passé. Là, vous avez page d'air, waouh! Des connaissances, des compréhensions, de la curiosité qui va être au cœur de votre évolution ici, parce qu'on a cette notion que vous accélérez quelque chose. 3 de terre. Et tout ça, vous, ça vous permet de faire quoi? De vous aligner. De vous aligner avec l'énergie extérieure. Il y a vraiment cet alignement entre vous et l'énergie de l'univers. Avec la source, là, vous êtes pleinement en accord. 6 d'air. Avec 6 de feu, bah dites donc, là on est vraiment
apaisé, calme, on attend la fin. C'est presque la fin, c'est pas tout à fait la fin, mais les choses vont s'améliorer et ça ira beaucoup mieux pour vous grâce à une avalanche de nouvelles. Chevalier d'air nous dit que les nouvelles arrivent très 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 vite. C'est très vite. C'est pas une attente qui va prendre du temps, bien au contraire, j'ai cette notion d'accélération parce que je suis poussée vraiment par cette énergie, c'est incroyablement puissant, c'est de terre. Un résultat, alors moi le mot que j'ai, c'est gain, G-A-I-N. Vous allez gagner quelque chose. Grâce à cette avalanche de nouvelles, en fait, vous allez gagner quelque chose. Et ce que vous allez gagner avant tout, c'est cette ouverture énergétique, comme si vous passiez un portail où tout est possible. Et ouverture de ces opportunités. Trois de feu. Et en fait, ça met un terme à la stagnation, à l'attente. Et j'ai cette notion d'abondance qui vibre. L'abondance, vraiment. Vous avez cinq d'eau. Là, vous comprenez quelque chose par rapport à votre passé. C'est cette compréhension, en fait, qui vous donne une leçon de vie. Vous comprenez, vous apprenez, vous saisissez. Et en fait, ça vous permet d'aller vous reconnecter à une puissance animale. Parce que le page d'air ici vibre la puissance animale. Vous voyez, c'est une reconnexion avec soi. Alors, c'est le chiffre 18 ici qui vibre énormément. 18 ans. Pourquoi 18 ans, je ne sais pas. Je vous dis, peut-être que c'est très spécifique à quelques-uns d'entre vous, mais il y a cette notion de 18 ans. Quoi qu'il en soit, vous allez fermer. Peut-être c'est une situation qui dure depuis 18 ans, peut-être c'était à 18 ans qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire le deuil définitivement d'une situation qui, je pense, a été dans votre énergie depuis un certain temps. Page de terre, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Une nouvelle possibilité, en fait, de impulser un succès. Vous voyez, c'est vraiment une ouverture, ici, d'opportunité, de possibilité, où vous maîtrisez. C'est pas comme l'as de denier. Ici, neuf de terre, vous avez page de terre, c'est pas l'as de denier. Vous êtes déjà expérimenté dedans. Est-ce que c'est parce que vous avez vécu quelque chose et vous avez appris votre leçon de vie? Je ne sais pas, mais vous le savez déjà. As d'eau, as de coupe. Vous vous souvenez? 9 d'eau. As égale 10. Ce qui veut dire page de terre, 9 de terre, on est sur un 10. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que nous avons eu ici? 10. 10 de denier. Donc, ce n'est pas une toute nouvelle opportunité. C'est une opportunité que vous maîtrisez. Pourquoi vous la maîtrisez? Parce que je pense qu'il y a un apprentissage ici qui se fait par rapport à votre passé. Il y a des prises de conscience par rapport à votre passé. On va poursuivre avec notre jeu. Deuxième jeu, qu'est-ce que nous avons? Ok, As de bâton, 9 de coupe. C'est le même 9 que tout à l'heure. Donc, c'est une opportunité qui provient d'un soulagement. Il y a un soulagement émotionnel qui ouvre exactement, vous voyez, 3 d'épées. On retire toutes ces épées. On est dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, en fait, qui nous ouvre cette as de bâton. C'est-à-dire qui nous ouvre la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. La grande prêtresse, c'était notre seul arcane majeur au départ, et vous voyez, elle ressort à nouveau. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que vous vous ouvrez. Vous extériorisez quelque chose, vous visualisez davantage quelque chose. Il y a quelque chose qui se matérialise et qui vous apaise. C'est cette matérialisation et je pense que ça va passer par des nouvelles, par des messages. Et cet apaisement vous conduit à ancrer une nouvelle situation. On va mettre encore une sur la grande prêtresse, l'impératrice. Vous voyez, c'est tout à fait cohérent et logique. 2, 3, arcane majeur. Parce que ce qui est à l'intérieur, cette connaissance, ce repli sur soi qui vous a conduit à méditer peut-être, là vous êtes dans la création, dans l'impératrice, vous êtes dans l'extériorisation de ce quelque chose qui se prépare depuis longtemps en vous. Et vous avez encore un 3, cette fois-ci
vous avez le 3 de deniers. Voyez que grâce à cette connaissance, grâce à cette attente, grâce à cette méditation, grâce à cette intuition, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose. Et avec beaucoup de succès, on me dit ici. Ah, parce qu'il y a cette concordance, il y a cet alignement entre vous et l'énergie extérieure. Avec l'impératrice, vous avez le pape. Waouh ! Là, vous voyez, la papesse, c'est une énergie spirituelle intériorisée. Là, c'est une énergie spirituelle extériorisée. Extériorisée grâce à l'impératrice. Cette épée, c'est exactement ce que nous raconte ici l'impératrice. Il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose qui est caché, caché à notre conscience, caché à notre mental. Et là, justement, il y a une prise de conscience vous permettant de trouver la clé de ce portail. C'est ça qui est intéressant, de ce portail qui va vous ouvrir de nombreuses opportunités. Le roi de deniers, c'était le même qu'ici. Donc, on va bien matérialiser ici et maintenant quelque chose qui, pour l'instant, était dans l'invisible, l'intuitif. Et vous avez ici la lune en dos de deck. Donc, ça nous renvoie à la prêtresse, à la grande prêtresse. Ça nous renvoie à cette intériorité, à l'invisibilité, au clair, obscur. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous raconte, et bien c'est exactement le même, le roi d'épée qui nous dit que là, on est pleinement maître de ses pensées, pleinement maître de ses idées, pleinement maître de sa force intérieure. On a dépassé une peur, on a dépassé un défi, on a relevé un défi avec succès. Et je pense que ce défi, en fait, vous y êtes presque dans le fait de le relever et de l'achever, c'est-à-dire de réussir. Avec le roi d'épée, vous avez le 4 de coupe. Là, je pense qu'il y aura vraiment, il y a encore, ça vibre beaucoup avec le page de terre ici, beaucoup d'opportunités, une avalanche d'opportunités, vous apaisant, vous permettant d'être vraiment en accord avec ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Et surtout, j'ai cette notion ici dans ce 6 d'épée, vous êtes guidé, guidé par l'univers, guidé par votre bonne étoile. Encore une sur le 6 d'air, waouh, le soleil. Le soleil, un moment de célébration, d'apaisement, un moment de bonheur, un moment de liberté, un moment de réussite. 4 de denier. On est ici et maintenant dans la matière où on a enraciné quelque chose qui, je pense, pour vous, sera fondamentalement important pour l'ouverture d'un portail et l'ouverture d'une nouvelle opportunité, de nouvelles opportunités au pluriel. Hein. Il n'y a pas qu'une, il y aura plusieurs. Avec l'oracle, nous avons la lune. La lune est au dos. Nous avons la chance. Ce manque de visibilité, ce manque de connaissance, justement ce secret, cette grande prêtresse qu'on avait tout à l'heure, c'est une chance pour vous. Parce que ça vous a permis de maturer, de mûrir quelque chose, ça vous a permis de réfléchir par rapport à une situation, ça vous a permis de faire grandir quelque chose à l'abri de la jalousie, du regard des autres, à l'abri d'une situation peut-être un peu toxique. Quoi qu'il en soit, là, vous allez retrouver une certaine liberté, une certaine possibilité de matérialiser et de rendre visible. Et on me dit rendre lisible. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va être lisible. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Oui, on sent que je pense qu'il y a... Il y aura beaucoup plus d'interactions avec les autres, mais ça, c'est les nouvelles de tout à l'heure, les bonnes nouvelles qui vont circuler. Et vous, ça va vous ouvrir à tout un autre pan de votre vie, tout un autre monde. Vous avez ici Noël. Bon, ben voilà, pour le timing, Noël, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'était Noël dernier qu'il y a une situation qui a débuté? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas tout à fait saisi à cette période-là?
l'hiver dernier, quelque chose que vous n'avez pas tout à fait saisi, qui va maintenant être visible, se visualiser, je ne sais pas. Ou est-ce que tout deviendra clair, limpide à Noël? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, voilà ce que nous propose le tarot et les guides. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.